Ben, pour ceux qui savent lire, ils vont voir les captures et tout, les tralala. Les C'est dates. demain, j'allais mettre les dates. Parce que, quoi qu'on dise, hein, je ne suis pas TikTokeuse, rien du tout. Moi, je suis Facebook et je suis blogueuse. Oui. Donc, ça veut dire que depuis le début, je ne voulais pas gâter. Et Oui. là, façon, je suis lancé là. Je n'en ai rien à foutre. Déjà, ça s'est fait. Ça dit qu'il y a longtemps, le voice qu'on a échangé là, même affaire de Narina, elle était même en clash avec la fille là, la fille Kadi là, on appelle Kadi Voice, l'enregistreuse là. Oui, t'as dit Doaoudé, oui. Voilà, elle est en clash avec elle, à cette époque-là. C'est dans cette époque-là même que l'affaire de Narina est sortie. C'est dans cette époque-là qu'on s'est rassemblé Narina. C'est-à-dire qu'il y a eu plein, quand je dis plein, mais plein de choses. Déjà même à la télé-réalité, moi je soupçonnais des IDC. Parce que Gessé et moi, on était dans la même chambre. Il y avait des conversations bizarres. Souvent, quand il recevait des appels, c'est que le père Jean, oh, le père, sort hier comme un peu, oh, moi, je lui laissais la place. C'est là où ça a commencé, même sa relation a commencé à se gâter avec l'autre dame. Moi, j'avais déjà commencé à avoir les soupçons. Après, même, père à son âme, Gologuri des têtes, tout ça, il était déjà dans son studio, vous voyez. Donc, déjà, moi-même, j'ai dit à mon renvoyer cette femme-là depuis belle lurette. Et je pense que pour protéger cette dame-là, je sais qu'elle la protégeait depuis longtemps, en fait. C'est que c'est au fur et à mesure que la confiance a commencé à s'installer. Où lui et moi, on a commencé à parler vraiment en toute sincérité, tu vois. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit soit, parce que moi, ce qui m'a énervé, c'est même pas Gessé, moi je m'en fous de Gessé, c'est un bipolaire en fait. Mais ce qui m'a chauffé, c'est quand sa femme est venue dire que c'est un cycle. C'est là, ça fait un tic dans ma tête en fait. Le tic, je dis soit Gessé qui manipule et sa femme et moi, ou soit sa femme, en tout cas, ils se sont joués de moi d'une manière ou d'une autre. Comment? Oui. Voilà. Je sais que moi, on cause. Franchement, moi, je suis dyslexique. Je ne lis pas. Parfois, je lis. Parfois, je n'arrive pas à lire. C'est un peu compliqué. Donc, je change par voice. Non, je change. Soit c'est appel ou bien c'est voice. Tu vas jamais voir les écrits avec ici. À part les petits écrits. OK. Cool. Des petits trucs bêtes, bêtes comme ça, là. Sinon, à part ça, là, c'est vraiment des voice. Donc, moi, j'ai commencé à me sentir bête dans l'histoire, en fait. Mais quand je cause avec Dessy, quand il fait ses sorties-là, et puis moi, mes abonnés m'envoient. Parce que pour être bête, je partage, en fait, parce que je n'ai pas le temps. Vous allez sur ma page, je partage les likes de Dessy parce que je n'ai pas le temps. Après, peut-être je regarde, mais si je n'ai pas le temps, je ne regarde pas. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, mais moi, mes lampes de qualité, mes doudous, ma grille, quand je me dis, mais ah, le père, tu as partagé, voilà. Quand j'appelle Jessie, il me dit non, on laisse. Même sa femme s'y met, non. Ah, le père, toi aussi. Déjà, pour moi, en aparté, quand il est au travail, il m'appelle, c'est autre chose. Quand il est à la maison, c'est autre chose. C'est grisant, sur moi, c'est bizarre. Il dit, ah, yo. Tiens, moi, je ne comprends rien. Ben, là, ça devient compliqué. Moi, je le dis, Jessie, j'aurais souhaité de toi, moi, que tu ne te prononces pas du tout. C'est cette histoire. Parce que quand tu te prononces dessus, que tu montes sur le live des Wakatologues et que tu insistes, c'est comme si moi je m'emportais dessus, tu sais que moi il y a les trucs. Donc la question m'a appelé, mais vidéo là, tu m'as dit que tu avais fait ça, mais tu as mis comment? Il a dit, mais décidé. Moi j'ai renvoyé cette femme-là. Quand elle est venue te dire que. Quand elle est venue dire sur la toile, plus ou moins, que moi tu m'as reflé là, décidé, tu n'as pas réagi en fait. Elle s'est réagi. Donc, c'est moi à mon tour. Les gens vont me prendre pour une menteuse. C'est pas grave. Mais quand toi, tu viens rassurer, ça me dérange en fait. Alors que tu sais en réalité que moi, je n'ai pas inventé la vidéo, Jessie. Non, le père, faut laisser. J'ai réglé ça. J'ai réglé ça. Moi, mais il avait dit la vérité. Quand il finit de me dire ça en aparté, dès qu'il en like, c'est autre chose qui sort. Et moi, ça commence à chauffer mon cœur. Vraiment, ça commence à chauffer mon cœur. Demain là, moi-même, les voix ne sont pas encore finies. Hein. Ah bon? Les voix ne sont pas finies. Hein. Vous êtes trop pressés. Les voix ne sont pas finies. Hein, les voix sont là.
Jour pour j'ai le convaincre, même où il va me demander de jurer tout ça pour tout est là. Tout est là. Donc moi, c'est que moi je vais dire ici, c'est votre panel là. Là où je suis là, je ne suis pas dans le jeu. Où je suis là, mon cœur est noir avec des cibles. C'est que les gens veulent penser là, ils n'ont qu'à penser. Je n'ai même pas envie de rire lui. C'est que là où je suis là, que ce soit lui, que ce soit façon, c'est que ces deux-là m'exaspèrent, mais d'une manière inexplicable. C'est-à-dire que c'est comme si je ne les avais jamais connus. Parce que c'est que quand là, je suis en train de parler, je suis en colère. C'est parce que je suis déjà déshabillé, je ne vais pas me mettre en caméra. Je suis mais très en colère parce que je trouve que c'est une foutaise, mais qui ne s'explique pas en fait. Voilà, parce qu'il n'a pas le droit. Et il n'avait même pas le droit de. J'ai insisté. J'ai dit en éternel, je disais à Jessie, il ne faut pas te prononcer dessus. Il faut le laisser. J'ai dit en éternel. Jessie va me rassurer. Il finit de me rassurer. Il laissait pareil. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait, c'est ce qui est arrivé en fait. Dans ce que tu es en train de dire, j'étais en live. Moi, j'ai 5 téléphones. Et les 5 téléphones, il y a au moins 4 à 3 comptes dessus. Donc, pendant que j'étais en live là, mes gars m'ont envoyé tout pour dire en live, voilà ce que tu es en train de dire. J'ai enregistré même une partie où j'écoutais, puis j'ai commencé à rire. Donc, je suis monté dessus. Quand j'ai fini mon live, je suis monté. J'étais par la fenêtre. Après, il dit, moi, ça ne me coûte rien. Puisque toi et moi, il n'y a jamais rien eu. Tu es une personne que je respecte. Donc, j'ai cliqué dessus à mon compte pour dire, pour montrer que je suis là. Donc, toutes les questions que tu as me poser là, ma chérie, je vais te répondre. Parce que où je suis là, je ne suis pas prêt pour lui aujourd'hui, demain, après-demain. Ok. Voilà. Moi, j'ai une question, Love Gugu. Je suis tout tué. Oui, parce que on sait qu'avec Francine, bah, ça fait un bon moment, depuis qu'elle t'a accusé d'Asila et tout, ça fait un bon moment, vous ne vous parlez pas. Quand tu as dit que tu la dois ta, et tout, c'était au baby shower ou c'était la fête de Robin des Bois quand Non, c'était la fête de Robin des Bois. La fête des Robin des Bois. Mais la fête des Robin des Bois, ça trouvait que le clash avait commencé entre vous, non? Oui, le clash avait déjà commencé entre nous. Oui, mais comment tu peux soulever... Je t'explique. Attends, je t'explique. Écoute-moi très bien. Oui. Non, désolé, nuance. C'est une grosse erreur. Le clash n'avait pas encore commencé entre nous. Il y a eu la réconciliation sur autre chose qui n'avait rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Si tu veux, je t'explique les détails. Ok. Voilà. À la base, c'était une grande sœur que je respectais beaucoup. En ce moment, j'étais avec l'autre, mon ex. Les deux s'appréciaient beaucoup. Il y avait plein de choses. Souvent même là. Quand mon ex montait même sur ses lives pour témoigner combien de fois je suis machin. Moi, j'ai encore toutes ces vidéos-là. Tu vois? Il n'y avait pas eu de problème. Donc, on s'est croisé pour la toute première fois. Je dis bien pour la toute première fois, on s'est croisé à la soirée des Robin. Ok. Quand on s'est croisé à la soirée des Robin, avec respect et considération, je me suis levé, j'ai donné la place à son mari. C'était la première fois que je voyais cette dame-là de mes deux yeux. C'était la toute première fois. Et ce que j'ai dit, c'est que je ne peux pas dire qu'elle était saoulée, je ne peux pas dire qu'elle était saoulée. Mais. J'étais à son service. Je servais son mari, je la servais, je servais son mari. Et il y a eu un paillaï. Bon, toi, tu dis ton live, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et il y a eu un paillaï. Et le paillaï, ça s'est tellement vite fait. Moi, je ne sais même pas comment ça arrivait. Ça, là, je ne peux pas expliquer. Mais je me rappelle très bien, comme hier, ce qui s'est passé. Après ça, quand elle est rentrée chez elle, elle et moi, on n'avait pas de problème. Elle m'a fait une vidéo le lendemain, une dédicace d'une chanson de Fally, parce que moi, tous mes abonnés, toutes ces personnes qui m'écoutent, c'est ça que j'aime Fally. Elle m'a fait une dédicace où elle a dit combien de fois je suis toi. Elle a fait des éloges. Ça a été comme si quelque chose qui n'est jamais arrivé, qui ne s'est jamais passé. Je n'ai jamais parlé de ça. C'est quand j'ai eu des problèmes avec mon ex, et qu'elle m'a vu en Côte d'Ivoire,
avec ma partenaire que j'avais, elle a commencé à faire des vidéos à tort et à travers sur moi. Jusqu'à elle m'a accusé de plein de trucs. C'est là que je lui ai dit que, ma chérie, je me suis séparée à mon ex. Tu es venu parler dedans, je n'ai rien dit. Par même respect et considération, je n'ai pas parlé. Mais il était privé pour dire que ce qui était dedans, là, ça ne me plaît pas. Je suis venu en cohabitant avec ma partenaire. On est venu en vacances. Tu as soulevé ta caméra pour parler. Tu as quel problème? Tu as quel problème exactement avec moi? C'est quoi qui ne finit pas? Mon tout premier, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'ai répondu à cette dame. Et quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire, elle continuait de me faire chier. Donc je lui ai dit, Francine, tu sais quoi? Il y a longtemps que tu es derrière moi, que tu me cherches. C'est que je n'ai pas envie de dire là. Tu as fait, je vais te dire. Mon live est là. Hein? J'ai tous mes lives dans mon téléphone. Et sur ma page. Moi, je fais partie des gens qui ne suppriment pas les vidéos. Parce que j'assume tout ce que je fais. Et Jesse Dieu et moi, Jesse Dieu savait que moi, j'avais problème avec cette dame-là. Mais le point quand Jesse Dieu était accro à elle, il essayait, vaille que vaille, de nous reconcilier. Donc, il y a des choses que Jesse Dieu n'osait pas me dire. Mais il a fallu que j'installe ma confiance au fur et à mesure pour que Jesse Dieu puisse se confier véritablement à moi. Voilà. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas dedans, tu me poses des questions, moi je te réponds. C'est à partir de là, là. Le véritable clashement a commencé quand je me suis séparé à mon ex. Et que j'étais à l'autre. C'est là où ça a vraiment commencé. Jusqu'à elle et moi, c'est parti en vrille jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années. Et en ce moment même, la dame Kadi, là, quand il était en clash, quand je suis revenu, la Kadi en question, m'a appelé pour dire que. Quand j'ai dit ça, la première fois que j'ai dit, la toute première fois que j'ai dit, que dans les toilettes de Jesse, là, il était Yuruku là. Kadi m'a appelé pour dire, ah, tu es sûr que ça veut dire Kadi. Comme tu as enregistré, avant d'enregistrer, c'est moi qui dit. Je n'ai pas dit on. Elle ne peut pas discuter de ça. Elle n'est jamais venue parler dessus parce qu'elle sait. Kadi encore en vie. Et mon live encore là. Ok. Voilà. Maintenant, le direct que tu dis que tu vas faire demain, parce que bon, quand on faisait écouter ton direct et tout, y compris moi et beaucoup de gens étaient unanimes, que je t'ai donné deux versions, je dis pour moi en tout cas, soit c'est l'autre, c'est Jesse qui te ment, tu es venu te défendre, soit finalement Jesse a zaillé en disant que tu mens, et puis il veut prendre toute la responsabilité sous son dos, en disant faisons des voices pour sortir, là tu es blanchi, moi je prends la responsabilité, on met bien à 3-4 jours, et puis c'est pas, ça passe. Maintenant, si c'est, si jamais alors c'est le tout premier cas, c'est Jesse qui t'a menti en envoyant cette vidéo vraiment. Et les voices, c'est, ça date depuis depuis 2022, si je me trompe pas. En tout cas, depuis deux ans et demi. Ça va plus, ouais, il y a longtemps les voices. Les dates seront, je vais mettre les dates, non. Donc, quand tu vas faire, en jouant le direct demain, qu'est-ce que tu vas faire pour toi te blanchir et pour qu'on sache si c'est Jesse qui a en tort? C'est-à-dire, tu vas renverser ta caméra. Pendant qu'il y a la date, tu appuies sur les voix et puis les voix jouent. C'est comme ça que tu vas faire. Non, mais je t'écoute. Hein. Je dis, est-ce que demain, quand tu vas renverser ta caméra avec quoi tu fais le direct, tu vas montrer la date, par exemple, disons, je vais prendre une date le 22 mars 2022. Quand on va voir la date le 22 mars 2022, dans l'inbox de toi et Jesse, tu vas appuyer sur le voice devant tout le monde pendant que la caméra est retournée et puis le voice joue. Mais comme ça, je comprends pas. Retourner la caméra comment? Je comprends pas. Tu sais, quand tu veux montrer une date, tu montres une date et puis il y a des voices. Quand on montre une date, après, parce que c'est comme moi, j'ai fait des directs comme ça à l'époque. Donc quand tu retournes la caméra, parce que c'est une preuve palpable, personne ne peut te discuter avec ça et ça va être sur la tête de Jesse alors. Quand tu retournes. Pour montrer ton deuxième téléphone. Hein? Oui. Tu sais, on va voir en haut d'un voice, par exemple, le 22 septembre 2022, par exemple. Après le voice qui est en bas, la caméra est toujours activée, tu appuies dessus, le voice joue. Tu appuies jusqu'aux 3-4 voice que vous êtes échangés, toujours avec les dates. C'est pas 3-4 voice, c'est toute une vie. C'est ça que tu on a beaucoup d'échanges. Et il y a même des images, il y a plein de choses. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire demain?
Mais demain, j'ai renversé les dates où lui, le jour là où lui et moi on est en train de parler en fait. C'est juste à partir de là que moi j'ai montré. Parce que si je dois montrer, je peux pas. Moi, ça, il y a, moi aussi, je me suis beaucoup confié avec Jessie. Hein. Je suis désolé. Non, je ne te dis pas de tout sortir. Non, non, non. Tu sais, ça, moi aussi, j'ai mes confidences. Moi aussi, il y a les choses que j'envoie avec Jessie. Bah, moi aussi, bon, là, j'ai mes choses que j'envoie. Je sais que je suis en train de t'expliquer, ma chérie. Aujourd'hui, dans ton direct, pas autre chose. Les voix qui nous ont déjà dit jouer aujourd'hui. Voilà. C'est que j'ai joué aujourd'hui. Moi, j'ai juste transféré, écoute-moi très bien. J'ai juste transféré sur un de mes téléphones nos échanges. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, demain, ce que je vais faire, demain, je vais mettre les dates. Je vais montrer où il y a les dates. Parce que moi aussi, il y a les images. Il y a plein de choses, en fait. Voilà. Il y a plein de choses. J'ai tellement de choses. Love Gugu, sur WhatsApp, s'il y a 3-4 voices de vous, 2-3 Non, 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 ça n'est pas enchaîné. Bon, attends, écoute-moi. Je ne sais pas si je peux. Écoute-moi, les voices enchaînées là. Sur l'écran, il n'y aura pas d'image. Parce qu'il y aura les 3, 4, 5, 6 voices que tu as. Non, la seule image qu'il y a, c'est. La seule image qu'il y a, c'est la vidéo. Oui, ne montre même pas les vidéos. Non, 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 ne montre même pas les images. Je parle seulement des voices que tu as joué aujourd'hui, pas autre chose. Tu as joué, je parle 3, 4, 5 voices de vous deux. Oui. Maintenant, quand tu parles sur WhatsApp, sur l'écran, les 4 voices là seront là-bas de toute façon. Et puis la date en haut, ça sera le. C'est pas 4 voices, ma chérie. J'ai dit les voices de ce matin. C'est pas aujourd'hui. C'est pas 4 voices. C'est pas 4 voices. Aujourd'hui, c'est un voice. Parce qu'il a fallu que je le convainque pour. C'est pas. Attends, je te dis. C'est pas 4 voices, hein. Non, tu n'as pas besoin de tout montrer, Love Gugu. Je te parle. Je vais arriver juste à où il envoyait les vidéos. C'est que tu comprends pas en fait. C'est que c'est juste où il envoyait les vidéos, c'est là où j'ai m'arrêté, et pourtant c'est pas 4 voices. Voilà, c'est beaucoup de voices, et entre temps, il y a eu des échanges. C'est ce que je vais te faire comprendre en fait, mais bon, on va, dans tous les cas, on va se comprendre. Voilà. Attends, je vais compter. Oui, ben, quand tu vas, faut remonter dans vos conversations, tu vas voir la date vers 2022. Parce que là, ça sera authentique, tu vas te dédouaner de tout. Parce que. On a plus le même jour là. Le même jour, on a eu 18 voices. Ne montre pas les 18. Mais est-ce que tu comprends ce que j'ai dit même? C'est pas que je vais le montrer. Je vais montrer la date juste où on a commencé à échanger le jour là. Oui, mais quand tu montres la date. Mais c'est ça que je parle en fait. Il y a les voices. Il faut appuyer en direct sur le voice que ça joue. Les 3-4 voices que tu as joué aujourd'hui. Mais ton tu n'as rien compris quoi. C'est que je suis en train d'expliquer, tu n'as pas compris. Quand je parlais avec lui, peut-être que je ne sais pas bien. C'est quand je parle avec lui, j'ai transféré les voices. Oui, mais quand tu remontes dans vos conversations, les voices sont toujours là-bas. Mais l'entends là. Écoute, moi, si je veux retrouver mes voices avec Pire 007, parce qu'on parle. Tu demandes à Gessi, qui n'a pas les voices. Attends, putain, 007 supprime tes voices. Non, 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 après. Mais justement, lui, c'est pour ça que ça l'a supprimé. C'est pour ça que j'avais les voices. C'est que je suis en train d'expliquer, ma belle. C'est le même jour que tu peux supprimer. Après, tu peux supprimer pour toi. Par exemple, Jessie peut supprimer pour lui, mais toi, pour toi, ça va rester. Donc, ça sera une preuve palpitante d'ailleurs. En 2022. Bon, il faut finir de parler. Je vais expliquer. Waka, explique. Oui. Explique, faut expliquer. En fait, elle dit, pour que les gens qui te regardent là aient plus de preuves, quand tu vas montrer, c'est quand tu vas faire écouter les lives là, les voices là, faut montrer sur la caméra, tu vois où se trouvent les voices là, le téléphone là, tu montres ça sur la caméra, et puis ils verront les dates, et puis en bas des dates normalement là, il y a le voice, et devant eux tu mets le voice. Mais là moi je pose une question, même si lui il a supprimé, lui Jessica ne pensait pas que moi j'avais ce voice là, parce que quand on parlait il supprimait. Non, lui, son côté, c'est pas important. En fait, c'est toi qui as tes preuves. Non, c'est toi tes preuves là pour amener les gens à te croire. Puisque les gens. Moi, jamais les gens me croient comment si il l'a supprimé. Et que moi, j'ai transmis. C'est parce que moi, j'ai transmis que j'ai ça. Donc, donnez-moi l'espace. C'est marqué. Supprimé, c'est blanc. Il n'y a rien dessus. Non, lui, il a supprimé de son côté. Parce que je lui ai dit que j'allais le faire. Quand la femme de Paris l'a envoyé là, il a tout. Moi, j'ai transféré. Est-ce que je vais vous expliquer depuis? Quand tu supprimes un message là, quand tu j'ai mis en confiance pour dire que je n'ai plus rien. Non. J'ai mis une question en confiance pour dire qu'il n'y a plus rien là pour moi. Pour lui là, c'est marqué supprimer. Entre nous là, je sens qu'il n'y a rien. C'est que c'est comme si on a fini par lui là pour quand tu supprimes là, quand tu supprimes un message, il y a la date là reste. Le jour que tu as supprimé le message là, ça reste, il y a la date. C'est pas moi, j'ai. Bon. Ok, j'ai compris. Demain, je vais montrer, vous allez voir. Vous allez voir ce que lui là. Où il y a peut-être confusion, vous ne l'entendez pas là. Gugu, où il y a confusion, vous vous entendez pas peut-être là. Ce que j'aimerais savoir là, si par exemple, comme Waka l'a dit là, le 22 mars,
Jessie et toi, vous avez échangé. Oui. Et le 22 mars, lorsque vous avez échangé, toi, tu as pris la peine de transférer les messages. J'ai tout transféré. Et je viens, je vais comprendre comme tu expliques là. Tu as pris la peine de transférer les messages. Donc, en même temps, lui, Jessie, lui, il a supprimé le message. Et ça a été également supprimé chez toi. Donc, comme c'est supprimé chez toi là-haut, ça va marquer supprimé. Mais la date là reste et le supprimé reste en bas, non? Effectivement, c'est comme ça. Même quand c'est supprimé, là, la date reste en fait en haut. Ici, Excusez-moi, j'ai ma femme qui m'a appelé. Allô? Ok. Oui. Maintenant, la question que je voulais poser là-haut. Oui, je suis tout de suite. Ou peut-être vous comprenez pas entre toi et Waka. Waka disait tout à l'heure, comme tu as décidé de mettre les dates demain, quand tu dois mettre la date d'un voice là, normalement là, les jours où il y a eu le voice, la date est en haut, les voices s'en suivent. Voilà. Maintenant, si ça a été transféré dans l'immédiat, la date à laquelle tu as transféré le voice sera dans la même période à la date à laquelle le voice a été. C'est devant moi ici, hein. C'est devant moi ici, hein. Voilà, c'est devant moi ici. Donc moi, c'est pas pour votre téléphone, c'est comment? C'est devant moi ici. Si vous voulez, je peux retenir tout ici. Il n'y a pas de date, hein. C'est devant moi ici, hein. Ok, regardez, voilà. Attendez. Voilà, c'est devant moi. Si vous voulez, mais je vais vous montrer. Moi, par exemple. En fait, moi, j'ai caché mon message. J'explique, ma belle. Attends, j'ai caché mes messages avec Peter, ok? Tu vois, en vert, c'est moi. Parce que je suis dans notre inbox. Donc, je veux effacer quelque chose que moi, je lui ai envoyé, mais ça fait longtemps. Si c'est dans les médias, je peux enlever et chez moi et chez lui. Oui. Mais je suis remonté pour enlever quelque chose. TikTok, delete message. TikTok me propose, WhatsApp me propose de supprimer pour moi. Je ne peux pas supprimer pour lui. Ou bien, allez voir... Remontez il y a 10 jours, 20 jours, une conversation que vous avez eue. Waka, c'est comme ça. TikTok, WhatsApp, un message pour vous. Quand ça dure, tu peux supprimer le message pour toi. C'est-à-dire, Jesse peut supprimer ce que lui a envoyé chez lui. Maintenant, je suis en train de vous dire que pendant que j'étais en train de parler à Jesse Gebuka, j'insiste et je persiste. C'est que tu dis là, je comprends, je maîtrise WhatsApp, je connais. Mais ce que je veux te faire comprendre, je ne savais pas s'il n'avait pas la confiance ou s'il avait la confiance. Mais en tout cas, pendant qu'on parlait, quand il m'envoyait les messages, il supprimait. Moi, je transférais avant même d'écouter les messages, je transférais. Exactement. Je parle. Si je finis, tu vas parler, mon frère. Dès qu'il m'envoie un message là, je ne demande même pas pourquoi tu as supprimé, mais pourquoi tu n'as pas supprimé, ça ne m'intéresse pas. Dès qu'il envoie le message, moi, je transfère. Dès qu'il envoie le message, je transfère. C'est comme ça jusqu'à la vidéo. Vous comprenez, non? Ça est dans mon téléphone. Vous comprenez? Et quand il a fait ça comme ça, après, moi, je ne lui ai pas posé la question. Pourquoi tu supprimes les messages? Pourquoi tu ne les supprimes pas? Moi, j'ai deux téléphones. J'ai les deux derniers Samsung. C'est dans ça que je fais mes... Comment on appelle ça? Mes lives. Et le téléphone rouge et les deux téléphones bleus que j'ai. Là, je transfère tout ce que j'ai à faire quand je suis en live. Donc, pendant que je prends mes téléphones pour faire le live, je ne peux pas prendre le même téléphone pour transférer parce que je ne comprends pas. C'est dans le téléphone où moi, je suis là. C'est là comment je fais mes lives. Donc, je fais comment pour montrer. C'est comment je dois faire. C'est la capture de la date. C'est tout ce que je peux faire. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Lui, il a tout supprimé. Je montre ça comment. Tu as dit là, j'ai bien compris en fait. C'est que tu as dit là. J'ai très bien compris. Si je suis monté sur le live, c'est que je ne sais pas, je sais de quoi je parle. Okay. J'ai très bien compris. Il y a supprimé pour tous, et puis il y a supprimé pour une seule personne. Ça, c'est le même jour. Mais si le message dit, tu ne peux pas supprimer, tu peux supprimer que chez toi. Et c'est le même jour où deux mois passent. Toute la conversation, vous avez c'est le même jour que ça s'est passé. Ça s'est pas passé deux jours, trois jours, c'est le même jour. Les oui, attends, j'ai compté encore. C'est le même jour, accompagné de la vidéo. J'ai transféré tout. Voilà ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 la vidéo. Et là où il voilà, maintenant là, Guigui,
Moi, j'ai tout transféré sur un de mes téléphones. Et c'est tous mes téléphones, mais pratiquement, parce que finalement, ça a ici tous les téléphones ici. Okay. Parce que j'ai gardé. J'ai tout gardé. Voilà. Donc maintenant, c'est moi, mes téléphones, où lui et moi, on a eu la conversation. Si je suis en train de faire le live sur ce téléphone-là, je montre ça comment? À part les captures que j'ai de juste la date où on a commencé à parler. Je fais ça comment? Ok, tu sais comment tu vas faire? Quand maintenant, tu... Waka, pardon, je peux avoir une motion là-là. Attends, aussi, papa. Quand tu montes dans vos conversations de 2022, c'est vrai, sûrement lui, il a supprimé. Quand il t'envoie, il supprimait pour lui. Oui, supprimait pour tous, oui. Vu que tu le répondais, pour toi, va rester. Parce que si le même jour, lui, il a supprimé, pour toi, reste. Oui. Donc, ça, c'est une preuve très palpable. Là, tu te... C'est-à-dire, tout reste sur lui. Donc, quand tu vas avancer jusqu'à 2022, là où lui, il a supprimé, on va voir pour lui se supprimer. Mais pour toi, et là-bas, toi, tu joues pour toi. Mais là-bas, 2022. Ok, donc, dès ce soir, je vais aller regarder. Voilà. Voilà, parce que dès ce soir, je vais aller regarder pour faire. Voilà. Dès ce soir-là, même, dès que je vous laisse, je vais aller regarder pour faire. Voilà, le père, c'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je voulais poser une question tout de suite quand tu parles. Oui, j'écoute, oui. Ça m'a échappé. C'était par rapport à... À la vidéo? Non, 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 pas la vidéo. J'ai pas envie de... Non, 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 pas la vidéo. Si quelqu'un a une question posée, je vais demander tout de suite. Ok, moi, j'avais une question. Parce que Gégé, quand Gégé parlait, quand elle a dit qu'elle a rencontré cette dame... Non, faut laisser. Non, non, ça n'a rien à voir. Faut laisser. Je t'inquiète pas, bébé, s'il te plaît. Faut arrêter de m'appeler. Je coupe le live, je te rappelle. Pardon. Oui, je vous écoute. Hein. Allez-y. Ok. Quand Gégé parlait tout à l'heure, quand elle a expliqué l'histoire, elle a dit qu'elle avait rencontré la dame pour la première fois. Dans son explication, elle a eu à dire que c'était une première pour cette dame-là. Il n'y avait aucune histoire entre cette dernière-là et Gégé. Donc, elle a dit encore dans ses dires que Jessie dit en réalité c'est quelqu'un qui est bipo. Donc elle constatait qu'il y avait quelque chose de louche en Jessie dit. Donc elle était obligée d'instaurer une certaine confiance en Jessie dit pour que Jessie dit puisse se confier à elle. Donc si je comprends bien, l'amitié avec Jessie dit là, c'était dans l'intention de mettre la confiance en Jessie dit pour pouvoir lui soutirer des informations ou bien c'était une amitié réelle. Ma question, c'est ça? Oui, c'est ça la question. Ok, d'accord. Vous savez, au jour d'aujourd'hui là, c'était pas que je vais installer la confiance avec Gessigué pour avoir, mais je me disais au plus profond de moi, Gessigué, il est dans quelque chose, pourtant il dit être ami avec moi. À la base, pour être sincère, honnête, je n'avais rien et je n'ai toujours rien contre Gessigué. Voilà, je le dis haut et fort. C'est quand j'ai compris qu'il était dans du jeu que moi aussi, là, j'ai commencé à être comme je suis en ce moment où il sortait par les pieds, c'est sans état d'âme. Voilà, parce que tu ne peux pas dire. Il y a une fois, j'étais en train de parler avec Edwin, Edwin m'a appelé, elle était enlevée, elle dit Gugu, tu as décidé de ne plus avoir de problème sur la toile avec tous les blogueurs. Et pourtant, je suis en parlant avec pratiquement tous les blogueurs. Mais toi, souvent, tu es sûr. Non, Edwige, le jour que... Gugu, avec tout le respect, le nom de cette fille, faut dire elle. C'est là. Ah, oui, mais c'est ta personne, non, mais j'ai raté quelque chose. Non, c'est fini ça depuis très longtemps. Oh, d'accord, je suis de passage, oh, excusez-moi, je ne savais pas. Le père, ah, non, je ne savais pas. Je sais que tu ne suis rien. Je comprends, oui. C'est parce qu'en ce moment-là, devant Dieu, c'est parce qu'en ce moment-là, c'est moi qui allume la télé, c'est pour ça que vous me voyez même. Okay. Voilà, c'est moi, je paye la toute illusion, là. Je ne regarde pas. Parce que pour moi, en tant que pendant certaines personnes disent que oh, il ne travaille pas, il ne fout rien là. Moi, je sais ce qu'il fait pour m'occuper de ma famille. Donc, c'est les choses que dorénavant, quand tu mets ta vie sur les réseaux sociaux, tu es perdu. Vous voyez? Donc, du coup, il y a des choses que plusieurs personnes ont dit. Moi, je regarde juste pour regarder et puis je passe. Je ne suis pas le panel, ça ne m'intéresse même pas. Et je te mets que ce n'est pas normal. Bon, bref, tu vois, ma belle. Mais je suis vraiment désolé, je m'excuse, je ne savais pas. Oui, vraiment, je m'excuse. Donc, elle a dit. Tu n'es plus en parler avec Pierre, Paul, Jacques et tout et tout. Si un jour, moi, j'ai problème avec ces personnes-là, tu vas faire comment pour me défendre? Je dis que si tu as raison, je vais placer ma caméra pour dire que tu as raison parce que personne ne me nourrit. Mais si tu n'as pas raison, je vais placer ma caméra aussi pour dire que tu n'as pas raison parce que je suis juste. Et elle dit non, je suis désolé, je dis que tu es hypocrite. Je dis non, je ne suis pas hypocrite. Parce que je suis fatigué. J'ai 47 ans. Je ne me vois pas en train de me tirer à elle. Les kojo ou bien les strings avec les boxeurs avec qui que ce soit.
Ça ne m'intéresse plus. Je veux vraiment me consacrer à mes petits-enfants et à moi. Non, mon frère, ta question là, on appelle ça le panier de chaîne. Tu cliques, tu mets un cœur, et puis tu déposes ça quelque part. Si tu as l'argent, tu payes. J'espère que je t'ai répondu. Ok, il y a un souci, j'ai compris. Bien. L'autre question que je voulais poser, ça m'est revenu. Les voices entre toi et Jessie que tu as fait écouter aujourd'hui, je parle juste des parties que tu as fait écouter aujourd'hui. Est-ce que tu avais déjà fait écouter ça auparavant quelque part, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook? Tu avais déjà fait écouter un des voices ou pas? Love Gugu, tu es là? En bas, le muteur, elle me fatigue. Oui, j'avais commencé, puis il m'a appelé pour me demander pardon en plein live, depuis j'ai coupé. Que c'était quand ça? Ou bien tu te rappelles plus? Non, il y a longtemps, hein. Ça, c'était mon premier TikTok. Ok. Oui. Ah, c'était sur TikTok même, ou bien c'était sur Facebook? Non, c'est TikTok. C'était mon premier TikTok. Et puis, en ce moment-là, j'étais habillé en noir. Et c'est le jour qu'elle m'a dit, Yesida, là. J'ai la vidéo, mais sur Facebook. Si vous voulez, mais j'ai fait la capture pour envoyer. J'ai répété la vidéo sur Facebook, où il m'a demandé pardon. Ça, c'est mon assistant, mais tu veux faire sortir ça. Ok. Oui. C'est pas la première fois, hein. Mais quand j'ai commencé à mettre, il m'a appelé. Ok. Pour dire le père, arrête. Faut pas me faire ça. Que je pensais que tu n'avais pas, il a dit que j'ai ça. Mais il pensait pas que j'avais tout les 8 que j'ai compté, il pensait pas. Ok, je vois maintenant. Donc il jouait, avant moi j'ai compris qu'il jouait moi parce qu'il s'est dit que j'ai mon pied aussi qu'il y a eu en fait. Et puis récemment même je lui ai parlé de ça. Récemment là, je lui ai parlé de ça, lui et moi, on était en train de décider. Tu sais que non je change d'amour, il y a ça. Si il y a la vidéo, ça veut dire que non je change ça. Il dit non le père, il dit si il y a ça. Je n'ai rien supprimé. J'ai un téléphone rouge dans ma main là. Si vous voulez faire la photo demain, le téléphone est cassé. Il y a peut-être un téléphone là, parce que tout ce qui est dedans là, je ne sais pas comment il a fait pour enlever. Je cherche clé pour mettre dedans. Ok, je vois. Je sais que c'est. Et puis je sais. Donc tous ces pleurs, ces larmes, ça font entendre. Mais si je n'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Vous êtes pressé, hein? Panel là, c'est pas maintenant ça s'arrête. Bah, il est pire même. Ah ça? En tout cas, je serai au rebond demain pour ton direct. Comme tu dis que demain, tu vas faire un direct. Ah, demain c'est en live, hein? Peut-être que tu vas pas aimer ma question et tout. Désolé, voilà, déjà, parce que c'est que tu es un peu nerveuse et tout. Mais moi, je comprends pas un truc. C'est quoi cette histoire de coller? C'est quoi cette histoire de dire que les gens sont les quelqu'un qui est marié légalement avec son mari et tout? Tu viens toujours lui coller des trucs de Léléa parce qu'avec Livy, on a suivi ça. On a suivi déjà même ta question, je n'en ai rien à foutre. Je te réponds directement. Je ne colle pas les trucs de Léléa aux gens. Je suis désolé. Je ne suis pas là. Je ne colle rien à qui que ce soit. Sinon, avant ces pétasses là, il y a plusieurs personnes qui me fréquentaient. Non. C'est ton live, donc il faut poser tes questions aussi à des gens là. Il n'aura pas à me poser des questions. Je suis désolé que je ne peux pas soulever. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas une fierté pour moi. Ce n'en est pas une. C'est pas une fierté. Ça, je le dis roatiquement par là. Ce n'est pas une fierté, ma chérie. C'est clair et net. Ce n'est pas encore quand tu dis coller. Ça me dérange, le thème coller. Je suis désolé. Ça n'en est pas une. C'est même pas une fierté même. Tu peux dire, pourquoi tu dis que t'entends, je peux comprendre, mes collègues, je suis désolé, elles sont qui? C'est de la merde en fait pour moi, j'en ai rien à foutre. C'est de vomir de chien. Il fallait poser que pourquoi tu dis que ceci, cela. La question là. C'est la toile, c'est Facebook. La vérité, mais pas une femme que moi, il y a Mougou là. Voilà, il est que vous la voyez, vous attrapez vos têtes. Qui n'a pas encore envoyé son conseil internet. Hein. Ça fait des années que je sais elle. Elle n'a rien à foutre des réseaux sociaux. Oui. Voilà. Pour voir le gouvernement.
Faut demander à Pire, ça c'est qui? Ah, dès demain, je suis dans son téléphone. Voilà, donc arrive à moi là, respecter les gens. C'est la raison sur ça que tu fais que nous, tu as des mélanges dans la boue. Sur cette traînade, toi, tu es malade, tu souhaites ton nier à bout de facilement tes doigts. Et puis, tu es venu m'emmerder, je sais, ma chérie, tu es venu me faire chier. Elle est malade, faut pas y parler de ça. Dites-moi, quand vous me dites qu'on affiche là, on affiche qui? Wakadolag est là, je sais, me dire, il y a toi, Wakadolag. Non, mais sérieux, appelez le palais, non? Je te veux dire que j'ai baisé quelqu'un d'elle, il faut pas dire son nom. Jamais c'est arrivé en fait. J'ai plein de personnes autour de moi. J'ai vu plusieurs personnes. On a eu des problèmes, il y a eu des problèmes beaucoup ici. C'est ce qu'elles sont qu'on dit. C'est pas une fierté. Je réitère, ce n'en est pas une. Moi, quand je suis en colère, puis je commence à parler là, c'est des choses que je n'assume pas. Vous pensez que moi, ma femme, elle souffre pas? Elle a mal en fait. Mais elle ne prend pas ça parce que c'est mon passé, elle s'en fout en fait. Même quand je suis en classe, même qu'elle passe là même là, elle ne s'arrête pas. Parce qu'elle sait que lui là, il est malade. Il va chier. Quand on le provoque là, il ne sait pas s'arrêter. Allô? Oui, bonsoir Ibrahim. Oui, désolé. Je vais monter le direct, sinon je vais fermer les commentaires. Seulement ceux qui ont les badges. Les badges Waka qui pourront commenter. Donc, tapotez ou je ferme les commentaires. C'est seulement les gens qui sont étoilés à la Waka Talk TV qui vont commenter. Tapotez. Vas-y, Ibrahim. Désolé, tellement que je suis fatigué. J'ai dormi, ça me rend compte. Ah, tu dormais. Ouais. Je viens de me réveiller. J'entends le cri de mon mari comme ça. Gris. C'est quoi l'offre que tu veux? Mon bébé. Je vais te poser la question. N'écris pas sur moi, sinon je ne veux pas accoucher ton enfant là. Allô? Là, Gugu, je veux une question, s'il vous plaît. Dis-moi, avec toi et Jesse, votre guerre là, c'est vrai, la vérité, ou bien c'est une autre stratégie? Mais ça, t'es fait, t'en passes à lui. On attend de sauter dans la boîte. Là, oui, j'aime pas ça. Faut me respecter. Ouais. J'aime pas ça, je ne veux plus de toi, c'est bon. Ouais, ok. C'est fini, love, toi et moi, c'est fini, wallahi. C'est bon. Ma question est finie, parce que là où on est arrivé là, je vais m'énerver tout à l'heure là. On va se divorcer. On est laissé, battre des bas. Aïe, quand est-ce que tu as fait que tu aies cassé? Qu'est-ce que tu as fait là? Mako? N'importe quoi. Parce que le pleur que j'ai vu là, ça c'est... Non, mais les pleurs là sont comment? Ah, parce que Love Gugu et Jessie là, ce sont des vrais acteurs de... Moi je connais Love Gugu, c'est mon mari, non, je connais. Il venait chez moi ici. Ce sont des vrais acteurs. Là où ça arrivait là, bon, moi ça me dépasse un peu. Je crois que ça a fini de... Attends, Ibrahim, Love Guru partait, je ne sais pas comment. Il faut nous expliquer, hein, parce que là, s'il y a eu une histoire de séduction. Pardon, demande-lui. Mais elle est venue chez toi comment? Faut tu veux parler, mon sœur. Tu sais pas ça, Fanny? Hein. Love Guru venait ici au Maroc, il me mougoussait et puis il partait. Il faut lui demander. Il est même il est 2 heures, il est 2 heures. J'en dis pas plus. Toi, tu n'arrives pas à dire que tu as les questions, pas Bisoto. Viens, ton petit visage, on devrait sourire, la fois venir. Mais père, moi, j'ai une autre préoccupation là. Je peux aller avec ma préoccupation. Vas-y. Ah, je suis là, vous écoutez, je reste pas à Watercolor à cause de quelqu'un avec ça. Sinon, moi, je ne monte pas sur panel. Hein. Oui, c'est ça. Pas souci. Voilà pourquoi mes questions aussi. Oui. Voilà pourquoi mes questions aussi sont posées dans le respect. Parce que ici, là, c'est notre devise, quoi. Bibi, donc, je continue avec ma question. concernant l'histoire avec cette dernière-là, où il y a eu la conversation entre Jesse Dieu qui est un bon ami, qui est un fils pour toi, il peut dire qu'il est un confident pour toi également aussi, de part et d'autre. Quand il te confiait ce dossier-là, concernant cette dernière-là, vous étiez déjà en clash? Moi et qui? Moi et la dame-là? Tu étais la dame. Ben oui. Il le savait très bien. Il le savait. Maintenant, l'intention dans laquelle Jesse Dieu te confiait cette dossier. En fait, Jesse Dieu,
On va dire, il ne me connaît pas en vérité. Il ne sait pas que moi, là, quand j'ai recouché avec toi, là, c'est pendant des années. Même lui-même décide, à partir d'aujourd'hui, là, quand il se met dans des... C'est que lui et moi, on a commencé là. Ça, c'est pas maintenant, ça va s'arrêter. Parce que moi, j'ai un problème. Quand je ne te provoque pas, ne me cherche pas. Je réitère devant Dieu, devant les hommes, cette dame-là. Pour être sincère et honnête, j'avais beaucoup de respect pour elle. Et ça, là, j'insiste. Le jour que je l'ai vue en premier, c'est là où le jour là où elle m'a dégoûté, où le respect que j'avais pour elle, je l'ai déposé parce que c'était trop facile. Je ne colle pas d'étiquette aux gens. C'est ce qui est que je dis. Et c'est pas une fierté. Franchement, je... Bon, bref. En tout cas, il savait. Je m'arrête là parce que j'ai comme l'impression que je saute dans le sac depuis mon mois seul, en fait. Et ça m'étouffe. Et quand c'est comme ça, ça m'énerve. Non, l'intention, c'est pas que ça saute. Non, attends, j'ai te dit, mon frère. J'ai dit aux gens que tu as avec le badge. Prenez le badge comme majestueux. Vous allez avoir Waka TV devant votre nom. Prenez le badge, les gens qui n'ont pas le badge. Merci, majestueuse. Vas-y, l'obligue. J'ai dit, quand je vais commencer là, les gens ne vont pas comprendre. Quand je vais commencer là, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont dire encore elle. C'est le encore elle là que je ne voulais pas. C'est le encore elle là. Que moi, l'offre que je ne voulais pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas faire les choses à moitié. Moi, je dis toujours au pays de gâter, 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 gâter et roi. Et je le dis ça, je le dis tous les jours, je dis ça. Voilà. À chaque fois, je dis ça. Quand tu me provoques là, il faut être sûr que toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je ne sais pas faire pour m'arrêter. Et même si j'ai même pas sur pause là, même dans 10 ans, je vais revenir sur toi. Je suis comme ça. Donc, il savait très bien. Mais, comme il voyait que je ne parlais plus de la dame, c'est que c'était là, c'était fini, parce que ça date. Ça date. Parce que c'est après ce qui s'est passé à Babi, où j'étais à la Maca, je suis sorti, tout ça là. Donc, lui, il s'est dit que peut-être c'est fini. Puisque je ne parlais plus d'elle. Je ne la calculais plus. Voilà. Là, ça a pété là. C'est quand ça répétait où elle est venue s'asseoir pour dire que à la télé-réalité là, c'est là elle dit, d'accord, ok. J'ai compris que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle décide, elle me faisait sortir, quand il y a un gars, par rapport. Donc moi, j'étais là tranquille, j'ai dit, moi je vais voir clair dedans. Si vraiment, quand Kayaku tête même est venue parler, j'ai dit, ok. Gredim, là, j'ai quoi? C'est que j'ai fait un. J'ai analysé. Deux. Ok. Au fur et à mesure. Voilà. C'est un panier de chaîne. Faut laisser, mon petit. Mais où je voulais partir avec ma question là, moi, c'était pour mieux comprendre et permettre à d'autres personnes de comprendre aussi. Dans quelle optique peut-être tu as voulu sortir avec ces audios là? Parce que tu as tellement bien dit tout à l'heure que décidé même s'attendait même pas à ça. Parce qu'arrivé à un certain moment, tu parlais plus de cette histoire-là. Donc, pour lui, tout était fini. Or, en réalité, pour toi, c'était un recouché. Donc, je considère que décidé, c'est disant qu'il a un plat. Pas avec décidé, avec la dame. Avec la dame, oui. Avec la dame. Donc, lui, c'est disant en réalité que c'était fini. Il n'y avait aucun problème. Donc, décidé qu'il y a sa personne, qu'il y a sa confidente. Il s'est dit aujourd'hui, on peut papoter et faire un béret privé, parce que pour lui, c'est un placard bien fermé. Voilà. Quelque chose qui peut pas ressortir. Donc, dans ce contexte-là, il te fait une confidence dans un diarrhea entre lui et toi, il te fait une confidence. Donc, aujourd'hui, là, tu te retrouves peut-être, il y a eu un rebondissement où tu te retrouves dans un clash avec cette personne-là. Et tu décides de faire sortir ce qui était dans le placard qui ne devait pas être censé se retrouver dehors. Est-ce que d'ici dire... Avant même de faire sortir ça du placard-là, je répète, quand Gessé sortait pour défendre cette, je sais pas quoi, j'ai dit à Gessé, arrête. Tu vas me faire sortir de mes gonds. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu la protèges. Soit, tu ne te prononces pas dessus. Tu passes. Quand on te pose la question, tu as gré ou tu n'as pas gré là. Faut te taire. Faut dire que je ne réponds pas. Mais quand tu te justifies, tu montes sur le panel pour démontrer par A plus B que ceci est un site. Attends, je ne sais même pas de quel site tu parles, ça me dérange en fait. Et par
derrière en inbox dans le privé, il me faisait croire que oh non, laisse ça, il y a géré Daddy. C'est comme ça qu'il m'appelle, Daddy. Daddy, oh, mais c'est rien, il y a géré ça. Ah, le péton, c'est... Aïe, tu vois, et par derrière, j'ai toujours des retours négatifs. C'est là que j'ai dit, ah, donc il veut jouer à moi, alors. S'il veut jouer à moi, au pays de Gaté, là, le Gaté Gaté roi, pas ici le maître de Gaté. Ok, qui d'autre a une question? Moi, c'est pour saluer ma soeur. Dis-lui quoi, la J'ai dit, c'est pour saluer ma soeur. Ok, vas-y. Dieu assez. Ah mon Dieu, coupons, oui, ne dis assez. Ah, je ne comprends pas, ma Dieu, coupons, moi, ton corps, il y a pour l'air, ma Dieu, assez. En plein live, comme ça. C'est ma manière de dire. Non, maman, ça, Vous avez géré le même mousseau. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Moi, il n'a pas géré le même mousseau à lui. Moi, il ne savait pas. Hein. Pour lui, là, moi, il n'était pas au courant. Hein. Ah non, hein. Et puis, je ne l'ai pas géré. En tout cas, ça, c'est bonne question. Je ne l'ai pas géré d'un amusement dans la boîte. Et puis, géré, là, ça fait deux. Moi, là, pour moi, on appelle ça rapido presto. Écoute, ce côté-là, j'ai pas aimé. Fanny, tu as posé une bonne question. Que ce côté-là, l'œuf que j'ai pas aimé. Toi, ferme ta bouche, t'as pas des salopes. L'œuf que j'ai pas aimé, tu vois, il faut m'énerver. Hein? Il faut m'énerver. J'ai pas aimé. Tu me laisses ici. Tu parles aller gérer quelqu'un à l'autre côté. J'ai pas aimé. Mais le père, tu peux pas nous dire que tu sais pas parce que tu as dit que dans la villa là-bas, quand il te fait sortir, si tu as soupçonné qu'il y avait un moment comme ça. Ne mélangez pas mes dires. J'ai dit parce que moi, j'ai invité Peter 07 dans la villa. Lui, il devait inviter Francine Ba, mais il voulait pas me dire. Moi, j'ai invité Peter 07 et lui, il a invité Narina. Genre, il faut appeler les gens par le nom. Hein. C'est vrai que Peter 007 était ton invité pour un jour là-bas. C'était mon invité. Ici. Parce que lui là, même quand il est dans le trou, il est là-bas et moi. Ça, ce gars-là, il ne sait pas quel amour et quel respect il m'apporte. C'est pour ça que lui aussi là, en tout cas, il sait aussi beaucoup de choses sur moi. Pareil, c'est mon bébé. Ici. Je n'ai même pas envie de dire son nom dans les saletés comme ça parce que c'est même pas. Il n'est même plus à ce stade-là. Il a rangé sa vie, il ne faut pas aller le mêler. Voilà. Et pour lui là, elle n'est pas arrivée. Je suis sûr qu'encore c'est à cause de moi. Je suis convaincu que cet accord de moi n'est pas venu. Voilà. Ok. Ah, le père, quelqu'un t'envoie les voices. Ton ami intime, ton fils, ton petit, il envoie les voices, il supprime. C'est quelle imagination tu as d'enregistrer quelque chose, hein? Si un autre téléphone, c'est quoi? Écoute-moi, tous mes amis, tous mes connaissances savent. Eux tous, il n'y a pas un. Même celles qui sont dans ma vie. Tu m'envoies un voice. Si tu m'envoies un voice une fois dans ma vie que tu as supprimé, dès que tu m'envoies un voice, j'ai fait transfert. Ça veut dire que si tu m'envoies un voice que tu supprimes là, c'est que tu te reproches quelque chose. Au pays de Gaté roi. Tu m'envoies un voice et que tu supprimes, tu fais supprimer pour tous, c'est que tu te reproches quelque chose. Non, dès que tu m'envoies là, avant d'écouter, je transfère. Et puis, je garde. C'est pour ça que moi, là, quelqu'un ne peut pas m'emmerder. S'il y a 5 téléphones là, ce n'est pas décoration. Ou bien, ce n'est pas l'amour des téléphones. Voilà. Et j'ai dit ça à qui veut l'entendre. J'ai dit ça au monde entier. J'ai dit ça à tout le monde là. J'ai dit que tu me dis bonjour là. Je te dis merci, au revoir. Si tu as fait red, tu as supprimé. Prochainement, quand tu m'envoies quelque chose, je garde tout. Parce que tu as des choses à te reprocher. C'est que tu es une personne qui n'a pas confiance. C'est parce qu'il avait envoyé, on parlait de... Bon, je parle trop même, c'est bon. Bref. Sinon, j'allais dire autre chose encore, car là, j'en dirais autre chose. Bref.
En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que concernant ce qu'elle a dit sur les vidéos et les messages qu'elle a eu à mettre de côté, là. Parce que quand on regarde le film de leur, voici bébé dit buzz ou bien quoi, c'est que Jesse, souvent, il sort, il ressort contre elle, il sort, il ressort contre elle. Donc, bon, je me dis que peut-être c'est ça qui l'a amené aussi à réfléchir et puis à avoir une autre idée de leur amitié. Parce qu'il est sorti plusieurs fois contre elle. Hein. Donc, bon. En tout cas, je n'ai pas de questions. En tant que c'est mieux. La partie du film même qui m'a fait chier, comme on dit dans la vie, il y a jamais 203. Jesse m'a mis plusieurs fois en retrait à cause de cette dame-là. Plusieurs fois. Je pense, si je ne me trompe pas, deux ou trois fois. La troisième fois, j'ai pleuré en live. Parce que ce gars-là, je l'ai toujours protégé. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais que j'ai commencé avec Jesse là. Vous allez être dégoûté de moi. Quand il parle là, en ce moment, mon bébé même, elle n'est pas d'accord même. Parce qu'elle dit que toi et Jesse là, non, c'était trop beau. Gugu, arrête. Je dis, je n'arrête pas. Oui. C'est vrai. Elle dit, toi et Gugu là, c'était trop beau. Donc, arrête-moi ça. On dit, arrête. Je dis, je n'arrête rien. Écoute, je dis, je ne veux pas. Parce que quand il fait là, j'ai qui? Moi, j'ai qui? Qui dit, je sais que arrête. En fait, je me sens seul, en fait, dans cette histoire-là. J'ai envie de pleurer. Je me sens seul, en fait. Parce que quand lui fait là, on voit pas pour lui, en fait. Pourquoi c'est pour moi, on voit? On va dire non, quand même, parce que toi, t'as la voix qui porte, ou bien t'as une grosse tête. Je t'en ai rien à foutre de grosse tête. C'est grosse tête qui me donne à manger. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vue des réseaux sociaux? Celle qui souffre derrière les vieux, ça pourrait souffrir derrière ça. Je m'en bats les couilles, en fait. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi, quand moi, on me fait du mal là-haut, les gens vont pas, c'est quand moi, pour moi, ça pète la caisse, c'est pour moi, on voit. En fait, ça m'étouffe même à force. Il est 3h du matin, je ne dors pas. Je suis si panel. Si, si. C'est abusé, en fait. Pourquoi c'est toujours pour moi, les gens, ils voient, en fait. Pourquoi? Sachant très bien que je suis sincère en amitié. Je dis à qui veut l'entendre, moi je suis extrémiste. Moi j'exagère dans tout ce que je fais. Et je dis tout. Que moi j'aurais. Je suis une personne, je ne veux pas avoir une épée de Damoclès sur ma tête. Je ne veux pas avoir une épée de Damoclès sur ma tête. Si, si. Voilà. Moi je. C'est que moi j'affronte le pire. Il y a quelqu'un là, il sait pas, depuis qu'il est venu en France, là, elle arrête pas, on dit pas le nom des gens. Oh, quand tu es venu à Abidjan, je me suis levé, j'ai pris mon pied, pas, je suis parti à Abidjan. C'est qui l'a arrivé, c'est arrivé. Pas, c'est quoi on fait dans la ville là, qui ne finit pas. Je suis parti affronter. C'est qui l'a arrivé, c'est arrivé. Je sais qu'il travaille, il y a des qu'il voulait, je suis venu. Il fait mon petit truc, je suis venu m'asseoir. Je suis comme ça, je suis extrémiste. C'est moi, j'exagère dans tout. Donc, il y a quoi? J'ai prévenu ce cas-là plusieurs fois. J'ai parlé plusieurs fois. Je suis fatigué. Tiens. Ta petite, sa soeur même m'a appelé aujourd'hui. Il n'est pas décroché. Sa soeur directe. Elle m'a vu au funérail. Que tu as trop soutenu ton frère. Arrêtez vos trucs là. Je n'ai même pas écouté. Ton frère, c'est ton fils, c'est toi. Arrête. J'ai dit, je n'ai pas écouté. Parce que moi aussi là, j'ai envie d'être protégé quelque part. Il est censé être mon binôme. Donc il y a quoi? C'est sûr. Aïe, quand même, ils sont dit, c'est pas mouton. C'est pas parce qu'à un moment j'ai quitté les réseaux sociaux, j'ai dit c'est bon, je sais mes petits-enfants, j'ai mes vidéos, ils dansent avec Clara, ils dansent avec mes petits-enfants, bien moi-même, j'ai mes vidéos, ils dansent, et puis ils gagnent en temps. Parce que, mon cher, réseaux sociaux, ça rapporte à d'autres personnes, moi ça m'a rien rapporté. Je gagne en temps. J'essaie de progresser à ma manière. Je garde mes réseaux pour ce que je sors et faire petit petit habitant.
ça me permet à travers mes réseaux, ça m'aide. Donc j'entretiens mes réseaux. Ça a dit que ça a dit que c'est fini quoi. Ils ont cru que quoi. Venez me provoquer ici là. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas ganglion ni filon dans ma gueule. N'importe nawak. Ça. Mmh. Eux-mêmes savent. Oui, vas-y, Ibrahim. J'ai dit. Je te vois plus avec quelqu'un pour afficher si c'est pas la dernière personne là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elles sont beaucoup, non, je les cache. Ah, ça fait. Mm-hmm. Après moi, c'est combien de personnes? Elles sont 19 comme ça. Donc mieux, chacun va rester dans sa boîte. Mm-hmm. C'est pas mieux. Comme ça, quand ils vont chercher qui. Quand ils vont. Parce que quand eux, ils m'insultent là, ça glisse ma peau. C'est-à-dire, oh, tu as vécu, moi, mais je viens montrer vécu là. Oh, ton corps est français, je viens montrer. Oh, tes seins ressemblent à chaussettes, je m'en sein là. Maintenant, quand ils vont chercher là, parmi elles là, elles sont tellement beaucoup. Que le temps, ils vont chercher là même là, violongo. Quand ils vont venir trouver l'attitude là, je suis déjà marié. Tissi. Mmh. En tout cas, moi, j'ai. Là-bas. Cette histoire de Sissi. Je t'arrête, toi, c'est pas bon. Ah, c'est pour dire oui. Parfois, je dis si. Moi, les questions qui me préoccupaient, je les ai posées au début. Voilà, je les ai posées au début. Guigui m'a répondu. Donc, j'attends. Malheureusement, Jesse, peut-être que Jesse est en soum-soum, mais il n'est pas monté. Donc, je vais attendre demain le direct que l'homme Guigui va faire. Il n'est même pas monté sur live avec moi-même. Pas, si je fais rire, moi, sur live avec moi-là. Et si Jesse a fait rire, puis le monter sur live avec moi-là. Mmh. Je vais mettre. C'est-à-dire que c'est là où sa femme va le mettre dehors, même à la première heure. Wallah, et puis là, il t'a laï. Quand il est venu en rêve chez moi, ça, sa femme, là, ce qu'il a fait là, je vais mettre ça. Non, rien. C'est ça, faut laisser. Ah, d'accord, il n'a qu'à s'amuser. Il est ici prêt pour lui. Bon, il a dit sur Facebook, le direct qu'on a entendu, que c'est son dernier direct sur cette affaire. Hein. C'est ce qu'il a dit. Que c'est son dernier direct là-dessus. Donc, je pense qu'il en a fini avec, quoi. Ouais, il a intérêt. Mmh. Il a intérêt. Il a fini avec. En tout cas, si personne n'a des questions, en tout cas, merci Gugu. Merci d'avoir respecté hein, mon panel et monté à la télé. Comme tu sais, hein, il n'y a pas de manque de respect ici. Quand on monte, il n'y a pas de dispute, pas de prise de tête. Si les gens ont des questions, c'est les gens... Ma belle, c'est pour ça que je suis monté, parce que j'ai dit, depuis que je connais cette femme-là, voilà, il n'y a jamais rien eu. Il y a le respect, la considération. Et pour vraiment et là, une personne... Pardon? Non, je disais à Nenadja, je reprends Nenadja. Bibi va monter, d'accord. Vas-y. D'accord. Il y a eu beaucoup de considération et de respect. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis pas gêné. Mais en tout cas, depuis que cette histoire a commencé, moi-même là, je ne suis pas panéliste, mais j'ai mes réseaux. Mieux, je m'exprime sur les réseaux. Ce que les gens veulent penser, le crois penser, je m'en fous. Mais pour ton respect et ta considération, j'étais là depuis, malgré étant live là, j'ai pris un de mes faux comptes pour regarder, pour écouter, puis j'ai rien même. Ah bon? J'étais là, j'ai rien, j'ai dit, hey. Bon, et puis après, bon, quand la colère s'est diminuée, parce que quand je suis en colère comme ça, je fais tout et n'importe quoi. Donc, quand je me suis calmé, c'est là où je suis mort. Bon, j'ai guéri là. Tes parents t'ont sauvé, hein. On dit quoi, levier? Qui fait ça encore? C'est qui avait le même progrès encore? C'est Bibi. Le petit, ton patron gourou qui causait lui avant-hier, là, tu te rappelles plus quoi? Il y a moins un cafard comme ça. Allez là, et au passage, j'ai un message. Pour ces personnes qui vont croiser tous les gourous, ils sentent gombo, ils sentent tomate, ils sentent aubergine. Les odeurs sont nauséabondes. Les vitelles au maximum. Toi, tu veux, il est en train de partir, va venir m'énerver ici. N'importe quoi. Le père, il y a des questions, ça cause de se monter, sinon je ne fais rien, toi. Moi-même, là, c'est toi-même, tu as 10 millions de questions, tu ne seras pas répondu, bah, tu n'es personne. Eh, hey, le père. En tout cas, le père, moi, je t'ai dit que tu as tout mon soutien. Demain, il serait sur le live. Et toi, au bar, il serait sur le live. Faut regarder mon nom, hein. Mon nom là, mon nouveau nom, c'est le bagage d'Espagne. Toi, ton nom là, ça apporte un chiffre à mon compte en banque. Faut quitter là. Oh. Par là, tu as fait ton. Il y a moyen de bourrin, c'est comme ça. Le gros stupide de Pierre. Par là, tu as fait ton compte. Tu ne dois pas prendre des acteurs pour faire ce live. Et il y a un point noir. Il y a un point noir. Il y a un titre. Il y a un titre. Toi, tu es gros, tu ne comprends pas gros. Moi, mais il y a des palais gros. Quand il n'est pas là, il y a un titre. Et là, un point loin, hein. C'est guéri de Guitrozon. Pour les guéris vont commencer pour eux.
Il était dit, en tout cas, on a commencé là. Ce connard là, venu me laisser derrière sa tête. En plus, il tousse. Aucune classe. C'est pas moi qui ai toussé. Hein. C'est pas moi qui ai toussé, le père. C'est toi qui as toussé. C'est toi. Si c'est pas toi, c'est toi. Aïe. Kenny, c'est quoi? Déjà, c'est toi, l'ampion. Oui, c'est ça que ça. Merci, mon père. Demain, là, le live à quelle heure? C'était ma question. C'est à quelle heure? Moi, chez moi, il n'y a pas d'heure pour faire live. Quand ça pète là, il me l'a fait. Le cas, je ne comprends pas. Elle fait sur TikTok et Facebook. Donc, même si la télé n'est pas allumée, on va faire une diffusion. Non, ne vous inquiétez pas. Moi, je donne l'occasion aux gens de s'exprimer. C'est que, genre, tes cadeaux empoisonnés là, qu'est-ce que j'ai fait ça? J'ai un gros qui m'envoie cadeau quoi? Ça va, moi, t'envoies cadeau. C'est pas lui qui envoie, c'est pas lui. Ah, excuse-moi, ma chérie, pardon, mais mon chéri, il n'y a pas ça, le pantalon. Moi, mon compte est bloqué. Il ne peut pas envoyer cadeau actuellement. Mais toi, mais si tu m'envoies cadeau, il va te faire retour. Tes cadeaux sont empoisonnés. Mon frère, il faut emmener mes 60 pièces. Il t'a emmené 60 pièces. 60 pièces, mon œil, oui. Mais ton nez est fin. Attends, parce que ton nez est fin, tes parents ont eu pitié. Donc, à cause de ça, là, tu as fait malin, tu as fait tout le monde. Il dit que tous les gros sont aubergines. Ton nez devait être effacé. C'est vrai, ton nez est fin. Ils sont piments. Si ton nez était évasé pour les gars de Joko, comme les gars de Joko, là, jamais mon nez sera comme ça aussi. Mais c'est là, il dit, non, mais t'as pas Narina ou bien. T'as pas fait Narina, hein. Non, il était loupé. Viens me provoquer. Avant de dire ton père, là, après, il m'a dit. Gugu, il y a une annonce à faire, pardon. Demain, si tu fais ton live. Si tu fais ton live demain, pardon. Tous ceux qui aiment t'appeler pour te déranger dans ton live, ils vont quand te laisser en paix. Tu as fait, non, on va bien écouter, pardon. Parce que quand il t'emmène, là, ça nous fatigue. Organise, organise. Ouais. Mon cher, il y a mon tabouret. Organise, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne prend pas dans son live. Il dit que non, 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 Ibrahim, il va venir me fatiguer ici. Ne prends pas Ibrahim, il va venir me fatiguer ici. On ne joue pas avec le béret. Donc, pourquoi ça... qu'il nous dérange. Quand il va me dire. Demain, je vais vite allumer la Wakatolog TV. Demain, je vais vite me mettre en direct. Mais Wakatolog, tu as dit que tu as allumé là. Tu as allumé à fort. Hein, je te dis, non, c'est quand j'ai vu Infalsifiable en direct, les gens, je me suis dit, OK, je vais les laisser. Mais je vais dire à Infalsifiable, dorénavant, elle lance un peu plus vite. Comme elle se réveille, on a 4 heures de différence. Dès 15 heures, heure des États-Unis, maintenant, je lance Nomada Watt. You know. Mais pardonnez, demandez pardon à Ibrahim, il n'a qu'à aller dormir un peu. Depuis 8 heures. Il est sur live des Bibina, jusqu'à actuellement, il est en live encore. Il va y avoir le dormir, pardon. Faut donc, le moment sous d'amour, 14h30. Ibrahim, là, c'est une Djandjou. Ibrahim fait partie des gens, mal baisés comme les narines, là. Ils sont mignons, même si les lives. C'est dosé. J'ai loupé. Bon, moi, je vous laisse parce que je reçois des menaces ici dans le téléphone. Bientôt, je sais que je vais divorcer. À ta chérie, n'est-ce pas? Oui, c'est fait. Ah, mon chéri, là, elle m'emmerde, elle m'entend, elle m'envoie des menaces seulement. Mais on est bien, non? Viens, je suis là. Elle n'arrête pas. Il y a un petit peu de mal. Il y a un petit peu de mal. Tu as fait plein pour moi. Il y a dit, mais tu ne peux pas là, c'est comme un musulman. Ma femme, tu es. Elle est venue en bengue. Je lui ai envoyé un message, il a dit, quitte-moi. Et puis, Gessigé, sa femme aussi va le quitter. Comme ça, on est deux, on est logés sur la même enseigne. Ce chien, ce bâtard là. Eh, faut pas l'insulter, oh. Ta mère con, c'est moi qui ai dit. Non, faut pas l'insulter. C'est mon pape du Djenzeli. Ça va. Non, il n'a pas bon, hein. Il m'a rendu malade. Il va s'arranger après entre vous, les choses vont se faire. Il m'a rendu malade. Oui, ça va aller après. Non, ça va pas aller. Moi, non. De toute façon, il s'est gâté tout là, ça va pas aller. Ça va plus aller. En fait, c'est là, au point où je suis là, je ne veux pas. C'est tellement, je ne veux plus. C'est-à-dire que je vais chier même pas. C'est-à-dire que je vais faire diarrhée puis j'accompagne. Comme ça, au moins, il sait qu'il est tout gâté. Il va faire la prochaine. Il y a un deuxième compte qui commente là. Tu as commenté avec ton petit compte, Jesse J. C'est mon deuxième compte. Ok. Attends, Infalsifiable d'or. Attends, je te fais monter. C'est qui? Hein? C'est qui a monté là? Est-ce que la personne même va monter? Hé, hey, si c'est lui là, tu vas pas couper live là maintenant. Tu lui lances. Mais le père Guigou, qu'est-ce que tu as dit de tout ce qui se passe, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a dit de ça? Est-ce qu'elle n'a pas peur que demain, tu viennes sur Internet, dis que tu as fait tout ça et tout ça et tout ça? Est-ce qu'elle n'a pas peur d'avoir une relation avec toi? Puis tu vas. Hé, hey, Jessie a monté. Guigou. C'est elle a peur pour elle quoi? Jesse, est-ce que c'est toi? C'est ton deuxième compte ou c'est un faux compte? Non, c'est moi, mais je ne peux pas mettre la caméra. Donc, demandez au gars. C'est toi, on connaît ta abonné. Voix. Et donc, quand c'est abonné, pour que je mette la caméra, je vais te montrer les preuves. C'est ce qu'il dit.
Quand tu décroches pas ton téléphone, c'est que tu cherches. Tu t'adresses à qui? Je n'ai pas parlé de quelqu'un ici. Tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? Waka, demande de s'abonner. Demande de s'abonner. Je vais mettre simplement. Je t'ai parlé, Waka. Je vais mettre seulement ma caméra, je ne parle pas beaucoup. Quand je mets ma caméra, je descends, je ne parle pas. Attends, attends, il y a bien ma soeur d'abord. Abonnez-vous, ne pas s'abonner seulement. Merci, majestueuse, merci, majestueuse. Je vois qu'à te battre une place pour moi. Ils n'ont qu'à s'abonner, je vais activer ma caméra et puis je vais mettre les preuves de quoi que ce soit et puis je dégage d'ici. Merci, ma majestueuse. D'accord, ok. Alors, Esther. Moi-même, Waka, je suis sur ton live, mais je m'ai lancé live en même temps pour envoyer lui ces preuves-là, pour déposer. Mais Gugu, pas... si tu fais le live, il y a beaucoup d'Européens qui dorment. Tu ne vas pas attendre demain quand tous les Européens vont se réveiller? Non, c'est qu'il a dit là, tu ne comprends pas, non? Non, je n'ai pas compris. Waka. Allons à ça, allons à ça. N'oublie pas de t'abonner à mon site. Je suis dans une chambre d'hôtel. Je suis dans une chambre d'hôtel, tranquille. Je suis dans une chambre d'hôtel. Je suis, tu prends qui pour des enfants? Genre, tu es dans une chambre d'hôtel. Ces scènes-là, tu as joué à la fin de ton direct. Tu as je suis à l'hôtel. Mais, comme ça, je dis, à gauche pour dire, je suis... tu veux que je sorte? Tu veux que je prenne mon bagage pour partir? Attendez. Lève-en, abonnez-vous. Abonnez-vous à Jessie. Abonnez-vous à Jessie. Jessie va allumer sa caméra. Waka, majestueuse. Waka, je suis déjà monté sur ton fanatérie. Majestueuse. C'est pas les pimentiers comme les bibi ou comme mais les gars. Tu me vois pas aussi quoi, tu me donnes pas cadeau. Non. C'est pour moi, c'est le moment où je vous laisse. Toi, tu donnes pimentier, tu veux cadeau. Attends, c'est pipi. Abonnez-vous à Jessie, abonnez-vous à Jessie. Il va nous montrer sa chambre d'hôtel. Abonnez-vous à Jessie. C'est une majesté. Lève-vous, abonnez-vous rapidement à Jessie, il va nous montrer sa chambre d'hôtel. Abonnez-vous à lui. Compagne. Oh, les femmes de valeur, les femmes qui ont un cœur en or. S'il vous plaît, allez-vous vous sous l'amour avec les sympathisants pour ça là-bas. Jean-Ricard, les bons, abonnez-vous à moi aussi. C'est parce que, non, je te dois un Atalakou bientôt. C'est parce qu'on est gay ici que je ne peux pas faire Atalakou maintenant. Je te dois un Atalakou, merci Shine. Abonnez-vous à Jessie, actuellement il est dans son zone à jouer. Abonnez-vous à lui, il va nous montrer. Merci, majestueuse, c'est très forte. Tellement les gens aiment Guéré. Les gens aiment s'abonner. Abonnez-vous à moi aussi. C'est fort, majestueuse, fort. On applaudit, s'il vous plaît. Le vent, bon, il a... Jessie dit à 471. Il a encore besoin de 500. Abonnez-vous à lui, abonnez-vous massivement. Non, majestueuse, tu as fait fort. Tu es en train de faire fort dans ma vie. Vande, merci, Vande. C'est quoi? Wendkun. Merci, majestueuse. Oh, non. Tu fais fort. Ah, je dois chercher une clé pour te donner. L'Ivoirien a la clé de New York. Hein? Washington a pour la Maison Blanche. Ma bébé Choua pour l'Afrique de l'Ouest. Il me faut une clé. Tu as une clé, majestueuse. Voilà. Lève-en, abonnez-vous. Aujourd'hui, là. Passe-partout. Le Zorada Zoué de Décidé doit sortir. Abonnez-vous à Décidé. Passe-partout, majestueuse. Abonnez-vous au deuxième compte de Jessie J. Jessie J, c'est mon frère. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la Jessie J se retrouve à l'hôtel? Donc, abonnez-vous massivement. Il va se reconcilier avec Love Gugu. Dans le blog, là, on se jinzin, mais après, la paix va venir. You know? Trop de haine pendant très longtemps. Oh, ma pire! Applaudissez! La gestion a pris tout le nouveau tout, parce que c'était fini, j'avais mis encore. Elle a pris tout, elle a jinzin. Oh, majestueuse! Tu as la clé majestueuse qui ouvre partout. Merci chérie, merci. Oshé, c'est là, moi je sommeille, je travaille demain, moi je sommeille. Je vais montrer, je vais montrer quelque chose. Les vovons, tu n'as pas compris ce vovon. Les vovons sont en train de s'abonner. Jessie Dieu, tu es mon frère. Le Zagada Zoué, tu m'as toujours donné là. Toi là, ton moutarde aussi, tu as fait de promener ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment tu peux aller te retrouver? Donc aujourd'hui là, les vovons, j'ai confiance aux vovons. Les vovons, c'est les dieux. Donc là, Jésus, il ne faut pas nous donner. Non, ma page principale, là, ils ont sauté ça quand j'ai fait mon live. C'est sauté pour l'instant. Donc à la fin, je vais montrer aux hypocrites, les amis hypocrites, là, le mal qu'ils m'ont fait. Merci, majestueuse. C'est du père, tu parles comme ça, il y a faux. Qui? Tu parles du père? On te regarde. Attends. Ah, le Robert des Bois, quoi. C'est ça que Robert des Bois est venu. Les gens qui se prennent un caleçon noir, là, vous voulez me livrer à eux ou bien?
Anna Parker, Anna. Amma plutôt. Bon. Abonnez-vous, famille, abonnez-vous. Ne donnez pas l'occasion à Jessie d'avoir sommeil. Abonnez-vous, famille, abonnez-vous. Est-ce que c'est pas toi qui n'as pas écrit l'offre du vieux en erreur en mentant, parce que ça, là, c'est pas Pétou de Francine. Est-ce que c'est pas toi qui es parti ramasser Pétou pour aller donner à l'offre du vieux de faire la poussou est là, hein. Ça a chauffé. Le général fort. Ça va chauffer. Malou, là, là. Tu as dit quoi, Waka? Est-ce que c'est pas toi qui as induit depuis le début en erreur l'offre Gugu? Parce que moi, j'ai dit deux hypothèses. J'ai dit soit c'est toi qui as pris, tu as ramassé un pétou là-bas, comme c'était dans les clashs, et surtout, oh, majestueuse, majestueuse, et que tu avais menti, Francine avait menti sur toi en disant que l'offre Gugu s'était déshabillé devant toi, à la maison, là où vous avez fait télé-réalité, que mais tu n'as pas bandé, que toi, tu lui as dit que tu n'as pas bandé son corps ainsi et ça. En tout cas, elle l'a dénigré le jour là. Ça, après, Love Gugu a fait la réplique. Elle a répliqué, mais le volume de Love Gugu était plus fort. Est-ce que, avec ça, c'est pas toi, tu es parti prendre, parce que bon, tout le monde savait que Lawson Cria, c'était la meilleure amie de Francine sur les réseaux. Et Lawson Cria nous avait dit ici que Francine l'avait confié qu'elle était amoureuse de toi. Donc, avec tout ça, est-ce que c'est pas toi qui es parti prendre, ramasser que tout là quelque part, pour aller donner à Love Gugu, pour se servir pour continuer son clash avec Francine Bassin, qu'elle ne sache. Parce que j'ai dit que soit c'est ça, soit il y a une autre hypothèse que j'ai pensée, les voice datent d'aujourd'hui. Genre, tu as zaillé. Quand tu as zaillé, tu es venu, tu as compris que tu as fait passer Gugu pour une menteuse. Donc, il faut venir prendre tout sur ton dos. C'est-à-dire, la blanchir et toi, on te biama parce que peut-être que dès le début, tu l'as donné le pétou là. Genre, vous avez fait les voice là pour la blanchir sur les réseaux. Donc, est-ce que c'est vraiment le pétou de Francine Ba? Est-ce que tu n'as pas fabriqué pétou là pour donner à Love Gugu pour qu'elle vienne se défendre avec? Parce que moi, je sais que malgré que Francine, franchement, c'est pas l'amour fou entre nous. Tout le monde sait ce qu'elle m'a fait pour les gens, pour les habitués de Facebook. Est-ce que c'est pas toi? Jesse, il faut venir répondre ici. Il faut pas appeler le père là-bas. Il faut venir répondre ici. 1000 abonnés là, tu vas avoir ça. Waka, les deux sont en pause, pourquoi? Jesse, viens ici, ton zoo, tu es dedans là. Si c'est abonné, tu es venu chercher ou bien tu es venu nous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, tu vas nous dire. Ils sont où là? Ils sont où là? Jesse, viens ici. Ma femme qui a marcelé au téléphone, hein. Moi, j'ai ma femme qui marcelle, hein. Jesse, viens ici. Il m'intéresse pas. Il m'énerve tellement. Si c'est 1000 abonnés, tu es venu chercher ou bien tu es venu nous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, tu vas avoir les 1000. Jesse, viens ici. Waka, t'as posé une question. Viens ici. J'étais prêt à mettre un beat pour vous appeler, hein. J'allais dire, sortez du bord, on vous attend ici. Oshé. Oui, je sais Oshé pas, là. Je suis à l'hôtel actuellement, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, je vais montrer. C'est quoi ça? Je vous ai dit que c'est à l'hôtel, c'est à quoi? Attends. Mais les... C'est un voisin qui est en train de m'appeler mon verre. C'est hôtel de France. Mais c'est hôtel de France, il y a porno sur les grands là, bien. C'est Jesse qui a mis l'audio. Non, Jesse est ennuyé. Télévision. Robin des Bois. Voyez le père. Jesse, c'est un salaud. Non, mais attendez. On est où là? Ah, tu vois ton frère qui pleurait tout de suite en live là. Il y a son comportement. Jesse, pardon, demi-ton. Va entendre ce petit brûlé. Ah, toi aussi. Jesse a mis la télé. Les bonbons, s'il vous plaît, abonnez-vous. Moi-même, je suis déjà abonné à deux comptes. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On ne t'entend plus. Ta main sur le micro, Jesse. Non, ta main, le micro, ça ne va pas. Et là, c'est bon, Oh, là, c'est bon, oui, là, c'est bon. Ah, excusez-moi, oui, vous avez dit que c'est à l'hôtel parce que Majestueuse en train de faire fort, oh là 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 là. Majestueuse, très très. Mais Jesse, tu es à l'hôtel par rapport à quoi? Ils sont en pause. Les deux sont en pause, c'est gâté. Revenez-nous. Les deux sont en pause. C'est José. Vous vous dites quoi là-bas? Est-ce que ça a arrangé? Waka, ton frère n'est pas concentré. On vous a fait un paye. C'est pas normal. C'est du bon.
J'ai dit c'est un salaud. J'ai dit c'est un salaud. Oh non, mais attendez. On vous dit que vraiment les blogueurs. Mais attendez. Non, 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 on ne va pas entendre ça. Non, 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 on ne va pas écouter. On ne va pas écouter ça. C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi ça? On est où là? Ils ont pas ce quoi? C'est gâteille. C'est gâteille. C'est quoi ça? J'ai dit que. Bah, allez, gars. Waka. Attendez, ah, si elle quitte pas ici, elle va me tuer. Pardonnez, faites vite. Je vais avoir le pire mortel. Tu es gaillardement assise. Hein. Ah, c'est où? C'est Rennes? C'est Rennes ou Rennes? Hé, hey, voisin! Elle va là-bas. On vous a attrapé. Les voix se sont faites. Les voix se sont faites aujourd'hui. Chérique, Jessica, Jessica, tu es dans quoi? Jessica est partie voir le message. Le message qu'il a reçu. C'est fou, ce gars. On vous a attrapé. On a attrapé Jessie. Jessie, Jessie. L'acteur, l'acteur. C'est l'acteur principal. Il s'appelle Jessie J. Il s'appelle Jessie J. Jessie J. Le cop du Jezali. Jessie, tu as attrapé. Dis-nous la vérité. Tu en as quoi? Jessie J. Le film, le film. Le budget est bas. Le budget est bas. Ils vont se repartir. C'est moi qui vous dis. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est le film. C'est le film. C'est le movie. Jérôme. Ils vont se réconcilier. Ils sont pas en guerre. Oshé, Oshé, Oshé. Ouais, Jésus est là. Mais tes abonnés là, ils doivent couper. Moi, ils descendent les pères. Non, mais tu es en train de décourager les abonnés. Pour un truc qui est sérieux, où tu as pleuré ouais. Sur la toile, oui, le père oui. Aussi a pleuré. Oui. On a vu, comment on appelle ça même, je peux dire, deux personnes qui s'aiment tellement, qui ont brisé un lien aujourd'hui. Il y avait tellement d'émotions. Mais ce soir-là, tu nous présentes quoi? Oui. Ce que tu es en train de nous présenter là, ce que tu es en train de nous présenter ce soir-là, comment tu veux que les vont n'ont qu'à te donner une certaine crédibilité et te donner les 1000 abonnés que tu recherches. Si, mais donne pas crédibilité, moi je descends. Moi je n'ai rien à. Moi, non, mais on est là. On veut t'entendre parler. Non, on veut t'entendre parler. Jessie, tu es mon frère. Tu es mon frère. On veut t'entendre parler. Moi j'étais venu pour fermer bouche. Moi je suis pas venu pour faire long discours. Il y a des gens qui parlent du cas, les voix même sont plus. C'est pas mon problème. Tu comprends? Toi-même là. Jésus, il n'est pas te laisser trop parler, mais Jessie. Toi-même, ouais. Tu dis, ils ont mis tes barrages dehors, tu te retrouves à l'hôtel. Mais au lieu de chercher à résoudre le problème... Mais ça qui dit que c'est, je bossais ça. Moi, je travaille. Donc, foyer là, tu veux plus. J'ai 4 banquets. Foyer là, tu veux plus. Foyer là, tu veux mais plus. Mais non, mais en attendant, je ne peux pas dormir dans la voiture, pas dormir dehors, pourquoi? Mais si tu es à l'hôtel, normalement, là, ce que tu es en train de faire écouter là-haut, ce que tu es en train de faire écouter oui. À travers ton micro là-haut, si la madame entend ça là, tu veux qu'elle soit comment? Ah, mais c'est la danse, elle peut faire son film, elle peut imaginer que. Donc, elle pense que quoi? Il peut appeler une goutte, il peut aller m'appeler une perron, c'est dans le désespoir. Non, c'est lui la les gens qui veulent gâter mon foyer, là, et comme ils sont là, ils peuvent prendre ça, si pas les mentir là-bas, que non, ils sont en train de m'appeler, ou ils peuvent s'y panel, peut-être qu'ils vont aggraver la situation, hein. Voilà, moi, c'est tu te calmes, tu vas passer au questionnaire d'abord, le temps que le vonvon là, et t'alimente rapidement. Je sais que les gens vont t'alimenter tout à l'heure. Là. Il y a près de 920 personnes en direct. Ils vont s'abonner massivement tout à l'heure pour te donner les 1000 abonnés. Donc, tu vas répondre aux questions que les gens vont te poser, ceux qui sont sur le panel pour l'instant. J'ai une question. Donc, allons-y. Ibrahim, pardon, attends. Les gens, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Jessio. Rocher. Jessie. Il y a un gars sur la toile là. Ibrahim, pardon, je vais te poser une question. Il y a un gars sur la toile qu'on appelle le pipolet là. Est-ce que tu n'es pas son père par hasard? Ça, c'est une question déjà à 500 abonnés. Je ne les ai pas encore, donc je ne sais pas à quel moment je vais. Mais tu as 500? Tu as 500? Ils sont à 500. Ils sont à 501? Bah oui. Bon, je suis le père du bipolaire, donc j'attends la question à 1000 abonnés. Non, les bons abonnés. Jessie est en train de passer le message à Love Gugu que
que s'il te plaît, tu vas gâter mon mariage. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, love green, Ibrahim, Ibrahim, oui. Tu sais, je te respecte beaucoup. Je te respecte beaucoup. Vraiment, où je suis là? Je suis monté parce que, voilà, j'ai dit, je vais montrer. Parce que je sais que j'ai écouté Waka. Elle a pensé que quand j'ai tourné ma tête, c'était de la plaisanterie. Au moins, même si je mens, j'ai brûlé au moins 100 euros pour prendre une chambre d'hôtel, au moins. 100 euros là, ça peut nourrir au moins 2-3 de mes petits frères à Abidjan. Donc, je vais lui montrer l'endroit où je suis, qu'elle confirme que je suis juste à l'hôtel. Et puis, le reste, maintenant, si les gens font des spéculations, c'est parce que j'ai vu que quand j'ai tourné ma tête, parce qu'honnêtement, j'ai tenté de faire mon live, il y avait des comportements bizarres à côté de moi, j'ai craqué. Tu comprends? Elle estime que c'est un baiser. Elle a dit, oh non, non, je suis là. Comme c'est quelqu'un que je respecte. Et j'ai toujours dit, je suis venu dire que non, j'ai un truc de madame. Je suis jamais monté sur le panier de Waka, puis j'ai dit que je vais montrer quelque chose, puis j'ai menti. Donc, j'ai dit, mettez-moi à 1000K, à 1000 abonnés. Je mets ma caméra, je vous montre que je suis à l'hôtel. Je n'ai pas fini avant 1000 cas. Vous avez commencé à attendre. Ouya, 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 ici. Voisin, la mère, c'est pas, il a fait son premier coup. Pas, il n'attend même pas au dehors des douches, là, même. Il attend. Il voit s'il va reprendre le deuxième coup. Mais je suis là. Je suis là. J'ai mis ma couette sur moi. Il y a froid. Je suis là. Et puis j'attends. Imbécile, ça, je suis le menteur, là. Toi, t'es un peu. Il y a moins de gens comme ça. Ah, il t'es pas, t'es obligé de me parler. En fait, tu obligé de me parler. Le père. Les antennes là. Pas, c'est les gens qui tu penses que t'as ton caleçon noir là, ça peut frais comme moi. Toi, t'es un plantain. Toi, t'es un plantain. Tu pensais que toi, t'allais me la faire enlever. Puis, il a été regardé. Y'a moi ce chien là. Tu vas mais c'est parce que. Mais c'est pour te montrer que moi là. Mais tu parles de quoi même? C'est que le nom. Tu m'appelles du coup, tu te dis. Pourquoi? Où il a parlé de Mogolin, c'est là que ça t'a. C'est quand il a parlé qu'il faut pas qu'on pense qu'il y a Go là, qu'il s'est entendu de ma bloquer, mon voisin m'a bloqué. C'est ça qui a fait que tu parles ou bien. Toi aussi, tu es dedans, tu es dans le bloc. Tu attends, ma bloque, tu es chien. C'est moi, il dit ça. Sans injure, s'il vous plaît, sans injure, sans injure. N'importe quoi, t'as un m'applaud. C'est elle qui pensait à trouver Marie, elle-même la faut bon, pas. Oshi, moi, Oshi, s'il te plaît, mon gars, suis. Moi, il descend calmement. Voilà, moi, il descend. Il était venu montrer à ma soeur Waka. Tu as monté ici pourquoi? Mon soeur, faut pas descendre, faut montrer l'hôtel là. Tu as menteur, c'est moi, il dit ça, tu n'es pas à l'hôtel. Il y a fait 57 abonnés. Abonnez-vous à Jessie, son deuxième compte. Ah, moi, je te donne ma parole. Dès que j'atteins les 1000 abonnés, je te montre qu'il est à l'hôtel. Non, 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 tu n'es pas là-bas. Mais les gens n'ont qu'à s'abonner quand même. Sinon, je sais que tu n'es pas là-bas, vraiment. Waka, tu sais que je suis pas à l'hôtel. Tu me promets. Waka, si je mets la caméra qui est à l'hôtel, tu me donnes combien de dollars? Et si tu n'es pas à l'hôtel, tu fais quoi? On veut quoi? Non, moi, je suis à l'hôtel. Donc, tu me donnes combien? Moi, tu es à l'hôtel, je te pardonne. Bâtard, là, tu es un menteur. Toi, tu as l'argent. Toi, tu as mendiant, là, toi, tu as l'argent. Toi, tu as déjà l'argent. Moi, je suis madame, elle était nourrie, petit. Moi, elle était nourrie. Les preuves. Antennes. Ouais, moi, t'as lavé toi un gars. Mami, banane, mami, banane. Oh non, je t'ai nourri. Bonne soirée, Waka. Oh. Moi, je vais descendre parce que moi, franchement, je. Oh, mon père. Mais normalement, tu peux mettre ta caméra. Olgami a 605 abonnés. Hier, elle était à la caméra ici. Tu peux mettre ta caméra, je peux t'envoyer. Moi, j'ai combien actuellement là? Ah non, non, non. Tu n'es pas arrivé. Mais je ne peux pas actuellement. Non, voilà, actuellement, je ne peux pas. Même ça, à moins que ça. Waka, peut-être moins que ça, tu peux. À 600, peut-être. Non, non. Waka, à moins que ça, tu peux. Non, non, non. J'ai essayé de l'envoyer la demande. TikTok me dit que non. Qu'il n'a pas accès à ça d'abord. Il n'a pas accès, oui, oui, oui. Lui, il a 500. Le compte est nouveau. C'est aujourd'hui, il a ouvert le compte. Là, 518. Alors que toi, tu as 605. Non, mais moi, quand j'avais mon compte, ma caméra, pour la première fois, là, une fois, j'avais ouvert rapidement la pièce, j'étais là même là. J'étais à 3,5. Non, le compte n'est pas pareil. Vous aussi, abonnez-vous. Aïe, on peut pas. On dit que s'il descend pour remonter, la caméra va s'activer. Parce que tu as eu exactement, les 500. Exactement, parce que c'est un nouveau compte. Ça dépend voilà. Des pays. On t'a mis en ou, Allemagne, Jessie Jay. Ou bien, abonnez-vous à moi, il va venir en caméra. Abonnez-vous à moi. Madonna, comment vas-tu, Madonna? En tout cas, on aura tout vu sur les réseaux. Mais Jesse, tu m'as pas répondu, tu sais. Il y a eu ok. Tu m'as pas répondu, tu sais. Jesse, il faut te démuter. Je vais te poser la question avec ma voix cassée là. Jesse J, le pape du Jezel, tu sais que la question, elle est lourde. C'est pour cela que tu ne veux pas te démuter. Parce que je ne veux pas la poser tant que tu n'es pas démuté, en fait. Jesse J, oh,
Attends. Ou bien qu'il descende et puis il remonte au Akas. Peut-être que ça. Non, non, je ne parle pas de la caméra. Je parle de se démuter. Ah. Je veux juste te poser une question. Mais je sais que la question sera. Ça sera difficile de répondre. C'est pour cela qu'il ne veut pas se démuter. Parce que lui-même, il sait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Comprenez. Il n'a pas. Il n'a pas non, il est là, il est là. Aïe. Il fait. Il est quelle heure chez lui pour qu'il soit occupé à faire autre chose en ce moment? Il est là où? Il se mute parce que bon, il sait que la question. J'avais posé la question. Moi, il dit que c'est un menteur, il n'est pas à l'hôtel. Et puis, il insiste. C'est un gros menteur. Un chien comme ça. Non, il n'est pas à l'hôtel, il n'est pas à l'hôtel, il est à la maison. Aïe. Il va jamais. Sa femme là ne va même pas le laisser. You know. Ça, elle a attaché. Elle a attaché dans la cuisine, elle va passer. Aïe. Je voulais poser la question, une question à Jesse par rapport à la vidéo. Waka, il pouvait faire la capture de lui dans la chambre d'hôtel et mettre en photo. Oh, la photo. Est-ce qu'on peut mettre... Non, la photo, c'est la caméra toujours l'ivoiricaine. La photo, c'est toujours la caméra. Il ne peut pas... Waka, Jesse n'est pas crédible. Pardon, tu m'as assez ouvert les yeux sur lui. Ouais, ok. Ouais. Mon Dieu. C'est ton tour de surveiller le bébé. Mais mets la caméra pour confirmer. Non, ne cherchez même pas Ploplonou. Le profil Ploplonou, ne cherche même pas à ce qu'il mette la caméra. Il est chez lui. Il n'est pas à l'hôtel, il est chez lui. Et vous aussi, vous avez des vous avez des profils d'éco Ploplonou. Comment il descend? Moi, je vais du dos, pardon. Ok, Nechanel, tu passes une très bonne nuit, Nechanel. Moi également. Bonne nuit à tous, bonne journée. Ok, Olgami. Tu passes une très bonne nuit. Ah, tu vous voyez, il ne peut pas répondre à la question, il a tchala. Ah, Jessie J. Ok, Olgami, tu passes une très bonne nuit, ma belle. Merci beaucoup. Ciao, ciao à tous. Oui, il savait que je devais lui parler. Maman, je vous parle à vous parce qu'il m'amuse. Lui, là, c'est un chien. Quand tu as te reproché à lui, je n'ai même pas besoin de lui dans ma vie même. En tout cas, merci le père. Quand on n'a plus de questions, en tout cas, tu as répondu voilà, à toutes nos questions et tout. C'est Jesse qui a fui ma question, mais bon, je vais le rattraper. Et il sera toujours là. Bonne nuit. Bonne nuit, Dieu seul sait. Bonne nuit, chérie. Bon. Ok, Marcelle. En tout cas, pour ton respect et ta considération, je suis resté jusqu'au bout. À demain. Bisous. À demain, la vidéo. On attend ton direct. Tu as fui. Bisous. Marcel de Souza. Abonnez-vous à moi. Donc, je vais aller chercher Jessie J. Abonnez-vous à moi. Jessie J est dans son film. Donc, les larmes, là, c'est scénique. Il est en train de jouer un gros film aujourd'hui en direct, en fait. Jessie J et Love Gigi, eux, là, ce sont des acteurs de film. Ce sont des vrais acteurs de film. Aïe, je vais pas le merci, là, c'est pour qui? Hein, aussi. La capture du merci, là, c'est pour qui? Oh, chien, papa, tu as muté. Waka, tu étais ému par les larmes de Caïman, non? Non, je n'étais pas ému. Attendez, je faisais non. Je savais que c'était scénique, mais je vous disais, en fait, qu'il pleurait réellement, c'est-à-dire les larmes coulaient. Mais je sais que c'était pas... qu'il ne pleurait pas. C'était pour convaincre les gens, parce que c'était un petit film... avec un budget très petit, qu'il est en train de faire notre JCJ. Ma voix est grave en ce moment, hein. Oh my God. Il me faut boire quelque chose de froid, de chaud. Pourtant, je suis dans le froid. Bonsoir, oncle Picsou. Bonsoir à tous. Bonsoir, Waka. Bonsoir. Alors, je te conseille de prendre du miel avec du citron. Avec un peu de rhum aussi. Oui, même si je mets ça même dans le thé, dans du thé, un peu de thé chaud. Voilà. Mais le problème est que je suis avec mes glaçons. Mais aujourd'hui, je vais faire l'effort de ne pas prendre de glaçons la nuit là. Oui, et puis surtout pas de Jack Daniels, comme tu es un Jack Daniels. Oh non, seulement le week-end. Seulement le week-end. Ah, ok. Bonsoir à tous, c'était pour vous faire un coucou. Je suis là. Oh, ben c'est gentil. Et toi, le boulot, ça va, la famille Ça va, mon emploi du temps a changé. Maintenant, je commence l'après-midi, je finis un peu plus tard, 1h, 2h du matin. Donc, bon. Oh, waouh! Mais tu ne commences pas très tôt le matin, alors tu as le temps de te reposer? Non, j'ai le temps de dormir. Donc, quand je finis à 2h du matin, le temps de rentrer, on a 1h de route. Donc, 1h de route pour rentrer. Et donc, quand j'arrive, le temps de manger, digérer, tout ça, bon. Le matin, tu as 1h de route pour partir? Comment? Tous les matins, tu as 1h de route pour partir?
Oui, une heure de route aller, une heure de route revenir. Oh, wow. Yanko, on pique sous, on fait comment? Ah, c'est qu'à voter. Moi, je vote aujourd'hui. Hein. Non, c'est le 4, toi aussi. Non, moi, je fais early vote. Ah, bon, moi, je ne suis pas encore citizen. Ah, ok. Waka, il faut aller voter, hein, Mr. President, s'il te plaît. Tu as voté pour qui, Kamala? Tu as fait quoi, Kamala? Tu as voté pour qui? Ah, il y a dit Mr. President, Donald Trump. Really? Il a voté Kamala, puis ils m'ont pas dit Dieu nos parents en Afrique encore. Bon, de toute façon, moi je n'ai pas le droit de parler politique ici. Sinon, de mon boulot, ils vont me renvoyer. Nous, on est tracé. Moi, je travaille pour le gouvernement de Californie, donc c'est chaud, tu vois. On ne peut pas parler politique. Ouais, vous ne pouvez pas parler. Nous, on est neutre. Nous, on parle, ça va pas quelque part. Ouais. Ah oui, nous, on peut épiloguer. Oui, vous pouvez. C'est pourquoi deux fois les sujets politiques, tout ça, ils nous ont prévenus au travail, donc je fais attention. Ouais, vous devez pas vous prononcer, en fait, c'est ça? Non. Parce que les gars vous checkent tout ça et puis ils suivent. Ouais. Ils nous suivent. Attends-moi, allez là, c'est quel gars de gouvernement qui a venu chez moi, c'est pas pour donner facture. Ouais. En tout cas, je suis content d'entendre, ça fait deux jours. Moi aussi, mais je ne savais pas que tu as changé de profil, donc bon. Non, tu sais que moi, je change par saison, hein, chaque deux semaines. Ah! Il y a quelque chose qui, à peine sur la toile, là, je dois changer le nom, quoi. D'accord. Je dois apprendre à garder mon nom, parce qu'on ne me reconnaît plus. Les gens sont obligés d'aller checker mes photos. Puis mais c'est ça. C'est lui. C'est ça. Il a gardé mon nom, il n'a plus changé. C'est-à-dire, dimanche prochain, là, quand il remet mon bibi, là, c'est forever. C'est la même chose comme mon love Waka. Est-ce que tu pourras ne pas changer? Parce que toi, tu aimes trop changer. Hein? Non, il n'y a plus changé. Parce que c'est vrai, on m'a reproché ça, en fait. Pour faire l'effort de ne pas changer, pardon. Il n'y a plus changé, il n'y a plus changé. Après, ça y est, mettre mon nom, et puis c'est fini, tiens. Yeah. Sinon, dans quelques jours, Waka, qu'est-ce que vous avez prévu pour la Halloween? Halloween, c'est jeudi, hein? Après c'est jeudi, là. Mmh. Dans 3 jours. Mais il faut dire aux gens, en tout cas, bon, Waka, parce que les gens d'Abidjan, Europe, là, ils chargent maintenant. Donc, ils n'ont qu'à se déguiser. Hein. Nous, on se déguise, on se met en caméra ici. Mais ceux qui peuvent, quoi. Se déguise. Soit tu achètes les déguisements ou tu mets le filtre. Tu sais, tu peux être là, tu allumes ta caméra, il y a les filtres de Halloween. Mm-hmm. Que tu proposes, voilà. Ceux qui n'ont pas de costume peuvent mettre, voilà. Moi-même, demain, je dois acheter des bonbons pour mettre devant la porte. Les enfants vont venir prendre. Ah, mais oncle Picsou, je t'attends le jeudi pour mes bonbons. Il n'y a pas de problème alors. Mes bonbons de Barouin, je vais aller acheter mes bonbons. Il n'y a pas de problème. Je dis avant de commencer. Ouais, je ne sais pas à quelle heure tu commences. Tu commences vraiment à 13h. C'est vers 3, 4 heures New York que je commence. Ouais, là c'est bon. Je ne veux pas commencer le boulot.